Good morning, allez, Daniel, je suis aujourd'hui le lundi, je m'attends à mon déjà bien Israël, Befani et Dvora Batester. Si vous savez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, peut-être que les 5 minutes éternelles, nous étions un serrati dans votre périgimel Mishnah Yud. Shnaim Shekichu Shtein Hashim, ou Bish Atkni Satan Nakupa, Ichlifu et Chelze, Laze, Vet Chelze, Laze, Arelu Chayavin, Mishu Meshetish, Ayuachim, Mishu Meshet Ach, Vim Ayuachayot, Mishu Achotishto, Mishu Isha El Achota. Vimayonidot, Mishum Nida, Mafujinotan, Shosha Rodashin, Shema Meobarothen, Vimayuktenot, Shenan Ruyot, Leyaled, Mahzrinotan Miyad, Vimayukoanot, Nifselominatrouma. Situation très triste. Shinaim Shekitu Shnenashim, il y a eu deux personnes qui ont marié deux femmes. Ils étaient ensemble, je ne sais pas pourquoi, on a fait plein de mariages d'un coup, c'était l'époque de la corona où il fallait se cacher en clandestin pour faire des mariages. On a eu là-bas deux maris qui ont fait le mariage à deux femmes. Non, ils ne se connaissaient pas tellement, et quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ou Bichat qui n'est Satan à la Khoupa, au moment de rentrer, à la Khoupa de rentrer, s'isoler pour avoir leur premier contact, et bien quoi, Ichlifu et Chelze Laze, ils les ont inversés. Aïe 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 aïe. Réhouven, c'est plus deux frères. Réhouven et Shimon, c'est pas deux frères. Et Rachel et Léa, c'est pas deux sœurs, non plus pour le moment. Réhouven, maintenant, et Shimon, ils ont tous les deux fait les Kiddushin, chacun sa femme. Après, au moment de se marier, de s'isoler, ils les ont inversés. Réhouven, il est parti avec Léa, Shimon, il est parti avec Rachel. Et après, il se réveille le matin, catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Réhou Chayavin, Mishum, Eshet Ish, ils devront apporter un korban, Khatat, parce qu'ils ont eu un rapport Beshogeg avec une femme mariée, il faut porter un korban. Maintenant, Ayuachin, si toutefois c'était deux frères, Réhouven, Shimon, c'était deux frères, mais Léa et Rachel, ce sont deux étrangères qui n'ont pas de rapport entre elles. Alors il devra apporter un deuxième corban sur le même acte qu'il a eu avec lui. En plus d'apporter un corban parce qu'elle est partie avec une femme mariée, il faudra apporter un corban parce qu'elle est partie avec la femme de son frère. Et imaginez qu'en plus de ça, c'était deux frères qui se mariaient avec deux sœurs. Période de corona, il a fallu marier deux frères avec deux sœurs qui se marient vite en cachette. Vimayu Achayot, en plus de ça, c'était deux sœurs. Ils se retrouvent le matin qu'ils ont renversé les deux femmes. Et bien ils devront apporter trois khatot. En plus, en rajoutant en plus, parce que Mishum Isha El Achota, c'est l'interdit qu'interdit Achotishto, la sœur de sa femme, c'est déduit dans le pasuk Isha El Achota, une femme avec sa sœur, Lotikach Litzor, tu ne le prendras pas en co-épouse. Donc il a maintenant un troisième karet. Et pire que ça. En plus de ça, Vimayu Nidot, en réalité, elles étaient en période de règles. Et il est parti, s'est isolé avec elle, il a fait un quatrième issour maintenant, le gars. Oi, oi, oi. Vimayu Nidot, si c'était des Nidot, eh bien, Mishum, Nida, ils auront en plus de ça un interdit de transgresser l'interdit d'avoir un rapport avec une Nida, qui est aussi avec un cause d'un karet. Donc en fait, à cause d'un rapport qu'il a eu avec une femme, il va porter 4 korban, khatat, parce qu'il a transgressé 4 averot. Ok, c'est clair? Un petit mot quand même pour vous faire entrer dans la notion que la Gemara rallonge beaucoup sur cette Mishnah, le principe de Enissur, Halalissur. De manière générale, vous allez peut-être rencontrer dans la Torah, dans quelques endroits, où il y a, on l'a déjà évoqué même d'ailleurs dans le Perek Bet Mishnah. Aleph, non, dans Perek Aleph, Mishnah Bet sûrement Guimel, qui a un avis, il y a des avis, il y a des situations, où une chose qui est déjà interdite, s'il y a une nouvelle cause d'interdit qui va de nouveau venir être concerner l'objet, eh bien on n'interdira pas deux fois. Selon le cas, il y a plusieurs règles. Ça s'appelle, le principe s'appelle En Issour Halal Issour. Un interdit ne vient pas se greffer sur un autre Issour. Après, il y a des exceptions, il y a des règles, comment régir tout ça. Est-ce que Issour, Issour Kolel, Issour Moussif, des choses un peu plus détaillées. Mais déjà, une chose qui est déjà interdite, par exemple, du... J'ai pas un exemple en tête, dommage. Un cas de, par exemple, du chazir, de la viande de cochon, que, en plus de ça... Oh, ça y est, j'ai un super cas. Imaginez un cas d'une nevela, d'un morceau de viande pas cachère. L'espèce, elle est cachère, mais elle a pas fait la shrita comme il fallait. Et qu'en plus de ça, on va la faire cuire avec du lait. En théorie, maintenant, en plus de ça, il y a un interdit de manger une nevela, on a un interdit de manger bassar bechalav, si tu manges ce bout de viande, et bien là, tu ne transgresses pas l'interdit. Parce que le bout de viande, il était déjà interdit à toi, même s'il y a une nouvelle cause d'interdit, que maintenant, ça cuit avec du lait, qui va se renouveler dessus, et bien le en issour halal issour. Un interdit ne vient pas se rajouter sur notre issour. En l'occurrence, je reviens sur notre cas de la Mishnah. Je crois pas, j'ai une femme, qui ressemble à la femme de mon frère, et la femme de ma soeur, et la soeur de ma femme. Bon, mais... Pourquoi les interdits ont fonctionné? Et c'est sur ça que la Gemara rallonge longuement pour nous expliquer c'est quoi, dans quelle situation les interdits viennent se rajouter ou non.
il y a des règles, ils sont recollés. Si je dis que cette chose-là, elle va être. Au moment où je vais marier cette femme-là, hein, il s'avère qu'en réalité, j'interdis sûrement en plus toutes ses autres sœurs. Donc en fait, en jouant avec des notions pareilles, donc il s'avère que les interdits vont quand même tous s'appliquer. Ok? Ensuite, on m'a friché notamment maintenant. Je reviens au vif du sujet. On est que maintenant, ils se sont mariés avec des femmes et ils les ont inversées au moment de la roupa. Après, le matin, on réalise l'erreur. On m'a friché notamment Shlosha Chodashim. Il faudra les mettre maintenant, les séparer pendant 3 mois. Interdit de partir de. Bon, le matin, on s'est retrouvé, on était triste par le. Maintenant, tant bien que mal, chacun va récupérer sa femme. Réhouven, il voulait se marier avec Rachel. Peut-être qu'on va lui donner Rachel et on va lui donner Rachel. Il n'y a aucune raison d'interdire, elle n'a pas fait un adultère. Consciemment, c'était bêta out. Il faut le permettre. Mais malgré tout, on leur dit 2 minutes. Chacun y rentre chez soi. Pendant 3 mois, vous n'avez plus de contact entre vous. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être que le premier, quand elle a eu un rapport avec elle, elle est déjà tombée enceinte. Et l'enfant qui va naître, ça va être un mamzer. Et en plus de ça, l'enfant qui va naître, ça va être le fils de son frère Shimon. Et lui, il va se marier avec sa femme. Et après, on ne va pas savoir c'est le fils de qui. C'est le fils de Réhouven ou c'est le fils de Shimon? Ça fait des problèmes atomique dans la halakha des situations pareilles lorsqu'on sait pas c'est qui le père. Alors, pour éviter ces problèmes, on va faire des chodshe avchana, ça s'appelle. 3 mois de séparation jusqu'à que maintenant, au bout de 3 mois, une femme enceinte, on commence à voir le ventre qui gonfle. Et donc, comme ça, on pourra savoir c'est le fils de qui. Si après 3 mois, on va pas voir de ventre qui a gonflé, mais après 2 mois et demi, 3 mois, elle va coucher, alors on va être sûr et certain que c'est le fils du premier, c'est pas le fils du deuxième. Ok, il faut faire chodshe avchana. C'est de manière générale, d'ailleurs, dans tous les cas, celui qui se marie avec une femme divorcée, il doit attendre 3 mois aussi, pour ne pas qu'on se retrouve avec des situations où on ne sait pas c'est qui le père. Ok? Donc, vous m'affrigez notamment Shalosh Radashim, on va les séparer pendant 3 mois. Shema Meubarot Hen, de peur qu'elles sont déjà tombées enceintes. Vimayuk Tanot, Shenan Royot Leyaled, Leled, Machzir Notanman. Maintenant, toutefois, si en fait Reuven et Shimon, ils sont mariés avec Rachel et Léa, mais qu'ils sont des petites filles de moins de 12 ans qui ne peuvent pas avoir des enfants. Ktanot, des petites filles, Shenan Royot, les LED qui ne sont pas aptes à mettre à coucher, eh bien, Marzion Tamied, on pourra leur donner, les rendre aux maris respectifs, depuis tout de suite. Maintenant, par contre, Vimayu Kohanot, si toutefois c'était des Kohanot, c'est-à-dire plus précisément, c'est en fait des femmes qui sont mariées avec des Kohanim, ouais, je fausse un petit peu la donne, je vous expliquerai après, mais c'est pas grave. Vimayu Kohanot, si c'était des femmes Kohanot, alors on a des problèmes. Une Kohenet qui a eu un rapport interdit, même sans intention, même malgré elle, même une femme de Kohen qui a été violée sauvagement, la pauvre, en plus de ça, son mari devra la divorcer. Parce qu'un mari ne peut pas, un mari Kohen ne peut pas se marier avec une Zona, elle prend un statut de Zona. De Zona, ça ne veut pas dire, vulgairement, on traduit ça par prostituée, mais ce n'est pas le mot. Une femme de Zona, c'est une femme qui a eu un écart. Elle prend un statut de femme qui a eu un écart. Et dans ce cas-là, Nifselo Minatrouma, elles sont devenues inaptes à manger de la trauma. En réalité, on ne parle pas qu'elles étaient mariées aux Kohen. C'est vrai ce que je vous ai dit. Même si on est marié, si elles se marient avec des Kohen, les Kohen ne pourront plus avoir des rapports avec elles. Mais en fait, on parle même pire que ça. Une femme, fille de Kohen, qui divorce ou que son mari décède, si elle n'a pas d'enfant, et qu'elle était mariée avec un Israël même, si elle n'avait pas d'enfant, elle pourra repartir manger de la trauma chez son père. Mais si elle a eu un rapport interdit, elle devient inapte à manger de la trauma. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'hatzlacha comme tout, ça va.